Et on est de retour. On est de retour. Oh non. Risque de radiation. Pourtant, on s'est occupé du... Non, mais c'est normal en fait. Non, c'est une alerte. Pardon. Bon bref, on s'en fout. La dernière fois, on a commencé le Valor. On a largué l'ogive. En fait, c'est pour ça que je parle de la radiation. Mais on a largué l'ogive, donc ça c'est fait, donc on va continuer. Ah! Ça c'est où il y avait Chen. Ça s'est mal passé. Ah, là on va combattre de grosses bestioles aussi, tiens. J'avais oublié ça. Il est vraiment horrible, hein, le pod, hein, le pod de l'Ishimura est très très moche. Alors, ça. On peut en prendre une avec nous. Je crois qu'on a d'abord des ennemis normaux et après on a le gros. Sérieux? Très bien. On est plein. Ouais, on a un gros. Non, il est pas mort. Bien que tu viennes sur le laser. Je crois qu'on est bon. Non. Fait un peu chier. C'est bon? Oh putain de merde. Il me bloque ce con. Oh la vache. Mais oh! Fâche le machin, quoi! Défoncer ma vie, quoi! Bon? Non? Mal. Ah, putain.
Oh, tout ce gaspillage. Mal joué. En fait, c'est que mes tirs à un moment du que j'ai fait du laser, je les concentrais en fait sur les parties qui étaient immunisées. En gros, c'est ce qui s'est passé. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Faut tirer dans les articulations surtout. Mais bon, je pensais que le laser était assez bon, ça passait à travers, mais apparemment non. Par contre, on a fait un truc superbe, c'est les mines là, c'était pas mal. Ah, ok, on est bon. Bah, du coup, ça nous fait un peu de place. Ça nous fait un peu chier, mais. Ouais, non, là c'était un peu pourri, j'avoue. Pas très heureux de ce qui s'est passé. C'est pas grave. De toute façon, on peut pas faire autrement. Et l'électricité lui faisait pas beaucoup de dégâts, hein. J'avoue que. C'était pas vraiment très puissant. Très bien. Doucement avec les chuchotements, doucement, doucement. J'aurais dû plus le brûler en fait. J'aurais dû nettement plus le brûler. Ça fait des dégâts tout simple en fait. Juste ça baisse sa vie. En général, il n'y a pas besoin de cibler un endroit. C'est pour ça qu'il y a autant de bonbonnes de feu en fait. Mais bon. Là on a ça. On n'a pas un truc là. Non. Des fois on a des choses un peu cachées qu'on voit pas tout le temps. Ah qu'est-ce que ça va être chiant ici. Oh ça va être relou. J'aime pas vraiment. Pas le problème, c'est que ça va être long. Je sais plus exactement si c'est comme ça qu'il faut faire, je crois, oui. Ah, ok. Alors, système d'extinction d'incendie, ascenseur. Deux lames, trois gros comme ça là, avec les yeux rouges et tout. Je crois qu'ils avaient les yeux rouges. Enfin voilà, les super résistants là, c'est bien. Putain, merde.
recharger. Oh vache. Moi je m'étais fait chier à empiler deux caisses pour bloquer ici et après récupérer les choses. Mais en fait, une fois que vous avez activé le système d'incendie là dans... C'est bon. Anti-incendie. On va charger ça. Ok. Bon, supérieur. Ah, je crois que ça va être là où on doit courir. Fais voir un peu. Ouais, ça va. Ouais, ça va aller. Ça, allez, on va le recharger juste au cas où. Le laser, on en a encore un peu. Unknown biohazard detected. Lockdown initiated. Another malfunction. Half the Ishimura's in the red. Someone get the door open. Chen? Christ, what did that thing do to you? Help me get him to the Kelly. Shoot him. It's not Chen. Shoot him! What? C'est la merde. Je sais pas si il va vraiment exploser si on met trop de temps, honnêtement. C'est par là. Évidemment. Un truc. Il y a lui là. Je sais pas qui c'est en fait. Et on peut pas lui courir après, la porte se ferme. Je sais pas si on peut faire quelque chose avec lui en fait. Vas-y, Isaac. Aou. Très bien. C'est bon, on est de retour dans les Ishimura. Enfin, c'est peut-être pas une bonne chose. Là, on est de retour. Isaac, come in. I'm here. Fuck, that was close. Chen, Johnston, now Hammond. And I'm tracking movement from the Valor. I think some of those mutated soldiers made it on board. Yay. What about the Valor's Singularity Core? It's covered in blood, but I got it. God, I hope Hammond was right about that shuttle. He said it was on the crew deck, along with every unitologist on the ship and their marker. You need to... Wait, someone's opened the door near the bridge atrium? It'll get you to the crew deck, but who's left with that kind of clearance? Isaac,
something's up, but we have to get that shuttle. For God's sake, be careful. We're all that's left. Après, peut-être que ce qu'on a vu, en fait, c'était des créatures. Hein. C'est le mec qu'on a vu devant, là. Mais bon, il avait le... Il avait le rig, quoi. J'en sais rien, peut-être. Il avait le rig full vie, donc est-ce que quand les monstres sont... J'en sais rien, en fait. Je sais pas. Si c'était un humain ou alors si c'était un nécromorphe. Je voulais lui tirer dessus, mais je me suis dit, on est en impossible, on va pas tenter le diable. Ça, c'est des choses à tester quand, dans des parties normales, en fait. Alors, on a beaucoup de choses, on a encore un peu de soins, ça va. Alors, par contre, on a des nouvelles missions. Donc, fouiller les cultures hors sol, trouver le rig de Benson. Le rig de Benson, on va aller le récupérer. Ouais, on peut l'activer, je pense. Je pense qu'on peut l'activer. Trouver le rig de Benson, suivre l'objectif. Je crois que c'est par là-bas. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas plus accès au tram. Si, si, c'est par là-bas. Enfin, on n'a pas encore accès au tram. Il faut le faire venir, je crois, après ça. Pourquoi ? Enfin, je crois. Attends, sinon la mission principale me dit d'aller où, là? Par là-bas. Ah, attends, on n'a pas un magasin pas loin? Bah si, mais il faut passer... la petite navette là vers l'atrium principal. Ok, on passe par là. Ok, on est bon. Ok, on va récupérer le dernier rig et on aura le passe-partout. Et après, on fera un dernier tour donc dans les derniers endroits. Et une fois qu'on a fait ça, on se casse. Et bah voilà. Il nous reste les parties du lance-flamme à récupérer. Il nous reste 2-3 parties. Aller au magasin. Ah non, je suis pas trop fan du brouillard. C'est pas la deuxième fois qu'on l'a, celui-là. Waouh, c'est brouillard avec les lumières éteintes, quoi. Après, j'aime pas trop quand ça s'ouvre d'un coup. On a le brouillard en fait qui nous vient à la gueule. Enfin, quoique dans un sens, c'est... Oui, non, si, c'est pas mal logique. Ok, on a 6 points. Ah, il faut encore embarquer une monolithe. Ouais, non, on n'a pas fini. On a vraiment pas fini. Alors, ça... Je vais voir un peu nos armes. Ça va, tout est plus ou moins chargé. Il n'y a que le laser à la limite
qu'on pourrait recharger via point, mais tout le reste ça va. Donc on va faire ça. Je pense que c'est pas mal. Il y a beaucoup d'interférences, hein. Même le store. On reste comme ça. Ouais, je pense que ça va. On pourrait acheter des points en plus. Ah, en fait, c'est parce qu'il s'affiche quand la porte commence à s'ouvrir, en fait. Faudrait qu'il s'affiche avant que la porte s'ouvre pour faire plus naturel. Mais bon. Alors, on avait dit le choc laser. Alors, le choc laser, on peut faire la capacité. Là, on a quoi? Molécule de tir secondaire. Augmentation de tir secondaire. Faire ça, comme ça on augmente les dégâts. Ouais, c'est pas mal. Après, découpeur, on change rien. Le fusil d'assaut, on a la capacité. Le rechargement, ça m'intéresse pas des masses. Faut penser qu'on va avoir l'armure bientôt. Durée recharge, durée. Dégâts 1, 2, 3, 4. Ouais, pourquoi pas. Bah après, le lance-flamme, de toute façon, on va devoir aller en bas. Parce que le lance-flamme, là, on a le mur de feu. Là, on a la capacité en carburant. Moi, ce que je veux aller, c'est en bas. Donc, ça ferait 1, 2, parce qu'on va prendre le dégât. Après 3 en bas, et après on descend. Ouais, ça, on consommerait moins de points. Après, la durée, comme j'ai dit, c'est bien. Mais bon. On va faire ça. Faisons si on veut le dernier point de force, de dégâts, pardon, il faudra aller le chercher. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment besoin. Ok, pas mal là. Et le reste on garde pour... Ouais, c'est nickel. Le reste on gardera pour la nouvelle combinaison ou alors... la nouvelle partie du lance-flamme. Fais un peu chier, toi. Je vois rien du tout, putain. Ouais, faut qu'on se casse de cet endroit brumeux là, très chiant. Ouais, il y a cette partie qui fait pas très naturelle à cause de la brume. Ils auraient pas dû faire en sorte que cette salle là puisse avoir de la brume. Une fois qu'on est dedans, alors oui c'est bien, mais... Qu'on rentre comme ça, c'est un peu con. Ok, faut aller récupérer le truc en bas.
Sora déjà. Ben bien joué, tu m'as eu. Tu m'as fait utiliser une munition en plus et tu m'as touché. T'as bien joué. La fabrique elle passe partout. En plus, celui-là de Nécromorphe, je crois que c'est celui-là qu'on voit depuis le haut et on peut l'attaquer. On peut lui balancer des objets et tout et ça l'active et après on peut le tuer. Donc j'aurais pu le tuer avant. Alors. Ouais, faut passer par là, donc nous on va pas le faire, pas maintenant, on va faire le secondaire. Tout ce qui nous reste. Après, j'avoue que mes armes, il faut que ça soit précis. Enfin, il faut viser précisément et tout. Il faut tirer précisément. Sauf, bon, ce qui est lance-flamme et explosif, mais... Genre la scie, il faut bien découper les membres et tout. J'avoue que dans un sens, si on prend le méga PK... Oh, on est bon. Si on prend le méga PK, c'est peut-être plus simple. Genre, on jouerait avec le méga PK et après on change d'arme. Mais bon, enfin, on tirerait beaucoup plus souvent aussi. C'est ça un peu la différence. Donc, est-ce que niveau munitions, ça tiendrait? Je sais pas. Je vois bien le méga PK avec le lance-flamme. Genre, on fait le vortex là qui aspire tout le monde. Et puis on fout un truc de feu dedans. Ou même une grenade. Ça peut être une chose intéressante. Cluster security override generated for Isaac Clarke. All access will be locked. Ben voilà. Voilà, ça nous ferait consommer beaucoup plus de munitions, je pense. Au final. Et ça, en New Game Plus, vous gardez le passe-partout. Donc ça, c'est bien. Bon, après, honnêtement, ce que ça va ouvrir, c'est des... les cultures sol. Ouais, on va faire ça d'abord. Ce que... Putain de merde. Aussi. Ah, il s'est pris le truc en retour. Il s'est pris la scie qui était en retour, qui est revenue en fait, qui a ricoché. Ça l'a fait tituber un peu et moi je l'ai planté après avec une griffe. Pas mal ça. Mais ouais, c'est... l'accès général, honnêtement, c'est pas vraiment intéressant en New Game Plus, ça sert presque à rien. Est-ce qu'on a des caisses à ouvrir ici encore une caisse? Non, on a rien. Ouais, on va au métro. Au tram. Au métro. Alors, on va d'abord faire les cultures.
hydroponics. Donc on a une partie du lance-flamme qu'il nous faut absolument, et après je crois qu'il y a encore une partie du laser, ou alors c'est plus tard ça. L'armure, je sais plus trop où on la récupère. Je sais plus si c'est avant ou après qu'on quitte les Chimera. Hydroponique. Alors, on fait voir. Ça va, on est équipé. Ah, j'avoue que le méga PK quand même en arme principale reste très intéressant parce qu'en fait du coup c'est super safe. À la limite ça se jouerait un peu comme dans Dead Space 3. Moi en deuxième j'avais souvent un truc à impulsion qui repoussait les ennemis, ça aidait énormément. Il y a un truc. Ici. Ouais, on peut garder des scies en plus. Bon, on va peut-être avoir pas mal de bestioles qui courent. Très bien. Alors. C'est ouf. Trancheur, putain, je viens juste de le recharger, j'en étais sûr. Bravo. De toute façon, il n'y a pas de truc. Pas grave. Ah, vache. On a une porte. Ok, ça c'est avec l'acide. On a. Oui, bah si, on a un établi qui est là. Ici, on a un établi. Aïe aïe aïe. Ah non mais c'est le trancheur, c'est pas le découpeur, pardon. Ça va. J'ai rien dit. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir les armes dans l'inventaire pour pouvoir les augmenter. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, j'aurais pu y aller, en fait. C'est pas mal aussi, parce que vous avez remarqué qu'à chaque fois on peut avancer, enfin on peut monter ou descendre des petits ascenseurs comme ça. Avant qu'il soit
avant qu'il soit complètement arrivé en fait. Ça c'est bien ça. J'ai remarqué ça aussi, c'était pas mal. Ça va là. La serre est très très illuminée. Pas encore seul. Alors, okay, on va déjà faire notre mission. On a eu des nouvelles de Resident Evil 4 aussi, parce que en faisant les missions secondaires, ça me fait penser. Beaucoup de... Maintenant, beaucoup de survival horror de ce type là, comme Dead Space, commencent à utiliser le même système. Et honnêtement, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, parce que ça augmente la durée de jeu. Ouais, c'est là. Toi, viens. Mais bon. According to you, you'll lose language soon. It's so green here. They're worse places to work discreetly. They keep poisons here that would never be allowed near medical. And now, you're in front of the hospital. I choose. If the trial is set out, I have options. The containment water is put down. Remember your last brain surgery? Bash. Consciousness? Quite useful. If only I hadn't wasted so much osmium on my last module design. It hurt. And how do you feel now? Dead. Awake. Whole. Then perhaps it's time for your first real hunt. Prototype de module de stase. Hein. Je suis en train de... Prototype de module de stase. Mais attendez, c'est peut-être pour ça que ma stase elle électrocute. Mais le problème c'est que on le voit pas en fait. J'ai bien lu. Il y avait bien écrit prototype de module de stase. Si c'était pas une recharge de stase. Parce que j'ai remarqué que quand en New Game Plus en fait, alors peut-être je m'en suis pas rendu compte une fois que je l'avais eu, mais en New Game Plus c'est ma stase elle électrocutait, elle faisait des dégâts. Mais ben je crois que c'est ce que je viens de récupérer, c'est ça? Faut voir, faut tester. Par contre, le truc qu'on vient de combattre, là, il était méga résistant. J'ai voulu le staser, il m'a touché, mais j'aurais dû le staser avant, en fait. J'aurais dû complètement le faire avant. Lui, il est dangereux, lui, il fait très mal. Il est très résistant. Mais bon, la preuve que quand même, encore une fois,
que le découpeur fait vraiment bien son boulot. Le découpeur fait extrêmement mal. Je regarde s'il n'y a pas des objets. J'ai vu qu'il y avait un point là. Il n'y a rien d'autre. Ouais, non, faut qu'on regarde ce qu'il y a pas. C'est pas écrit, c'est écrit nulle part en fait le prototype de Stas. C'est chelou. Du coup. Maintenant, c'est la chasse aux portes niveau 3 qu'on n'a pas fait. Et aux boîtes à ouvrir. Ouais. Pardon. Je crois que là, on a fini. Ouh, faut que je boive un coup. Ok, on peut partir, je crois. T'es en train de mourir. On va aller au tramway. Et après, on va choisir où on va. Si, si, ça électrocute. Si, si, ça électrocute complètement maintenant. Donc c'est bien ce qu'on a trouvé. C'est un prototype de Stas qui électrocute, donc ça fait des dégâts. Pas mal. Ça va. Alors on va peut-être. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'ils nous le disent nulle part ce que ça fait. Parce que là, on voit tenue niveau 4, air 100 secondes, armure 15%, habilitation. Il y a des points, il y a les crédits. Objet dans l'inventaire, il n'y a pas. Objet clé, il n'y a rien. Il n'y a aucun endroit qui nous dit qu'on a une. Une stase spéciale. Code de la chambre. Non, il n'y a strictement rien. Ça, c'est embêtant, ça. Je trouve ça bête. Peut-être dans un établi. Je sais, on peut aller à l'établi à droite, mais... On avance un peu. Je voudrais bien faire le reste, mais bon, je pense pas qu'on aura assez de temps. Il n'y avait pas un deuxième? J'ai cru en voir un deuxième.
capable de regarder l'inventaire, ça sert à rien. Alors on va devoir retourner au... à l'arrière du vaisseau où il mine. Il y a un truc là. Je crois qu'il y a un truc dans les toilettes honnêtement. Mais bon, pas vraiment envie d'aller d'aller vérifier ça. Alors on peut regarder ingénierie, forage, les cultures, médical, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Alors, forage. Ouais, forage. Allez, on y va. Forage et ingénierie. Mining, engineering. Now arriving at mining engineering. Check station when departing. Alors, engineering, mining, mining deck. Ok, très bien. Alors, c'est quoi ça? Attends, il y a quoi là-bas? Juste un ascenseur. Ah oui, c'est l'ascenseur qui va à la... aux plantes, je crois. Qu'on avait pris pour libérer le tram. On a de la stase. Si jamais on a quelqu'un. On est d'accord qu'il y a quelque chose. Choc laser. Très bien. Ah, nickel. Oh, ah. Ok. Alors, moi j'avais un peu galéré ici parce que j'étais revenu... redescendu tout en bas en fait. Où on est en 0G. Genre là, pour la salle là, qui était verrouillée. Ouais, j'étais revenu ici. Mais en fait, on n'a pas besoin... Enfin, nous, on l'a déjà fait. Par contre, cette salle, pourquoi elle est grisée? Pourtant, on l'a faite, non? Je sais plus. À moins qu'on soit pas rentré dedans, notamment. Bon bah en théorie on est bon. Bah par contre il y a cette salle qui m'intrigue. C'est à quel étage? Oh putain c'est au deuxième. Oh la vache. Ouais non, oui ça m'intrigue pas plus que ça. Je vois pas pourquoi elle est grisée. Ah non c'est celle qui est murée, je m'en rappelle. Il y en a une qui est complètement murée, mais il y en a une que quand on l'ouvre, il y a... Il y a une créature. Non, ne saute pas dessus, merci. Il y a une créature, donc on est bon. Allez, on se casse. Thank you.
Ouais, je m'étais fait chier ici à revenir et tout. Oh là là. On a vraiment pas besoin de tout faire d'un coup. Enfin, de tout faire au quand on récupère les objets, en fait, petit à petit. En fait, on peut tout faire au dernier moment. Alors là... Honnêtement, je crois qu'il doit rester que le médical. Non, ici. On a ça, deux... On a une boîte... là, je sais pas... Ok, salle 2, boîte, et c'est tout. Au quatrième. C'est bête qu'on puisse pas mettre des marqueurs hein, sur la carte. Oh, qu'est-ce que ça serait bien. Ça rendrait ce que je suis en train de faire vraiment très bien, quoi. Limite, il manque que ça au jeu. C'est genre de pouvoir mettre ses propres marqueurs. On a beaucoup de soins. On devrait arrêter notre épisode ici. Alors, déplacer. On a des soins 2 ou pas? Non, on a plus de soins 2. Ouais, allez, on va arrêter notre épisode ici. Il reste plus grand chose, honnêtement, du secondaire. On a bien avancé. On a les munitions, on est bien. Continuera la prochaine fois, on a les augmentations. Là, on a le choc laser, c'est bien. On a plein de points, on en a 7, donc ça ferait 8 avec le choc laser. On a la stase électrique. Ouais, non, honnêtement... Très bon épisode. Continuons la prochaine fois ici. On finirait cela. Après, je crois qu'il reste la baie médicale. Enfin, le pôle médical. Et puis après, on en a... Après, je crois qu'en secondaire, on a fini, on a tout fait. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.